chers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel unboxing. Je vais unboxer deux cosplays en une vidéo parce qu'ils sont pas non plus très chargés comme ceux que j'avais fait la dernière fois. Et c'est le cosplay de Aoi Asaina et de Toko Fukawa de Danganronpa 1. Oui, encore du Danganronpa. Vous n'êtes pas prêt d'en être fini avec ça, de voir du Danganronpa sur mes unboxings, c'est pas fini. Genre, il y en aura encore 4 après celui-là. Si, je sais pas, je l'ai fait peut-être ensemble ou pas, je pense pas. Mais voilà. J'espère que la vidéo elle durera pas trop longtemps quand même. Mais voilà, donc on va commencer par celui de Aoi. Donc, ils étaient tous les deux en un colis parce que j'ai acheté sur le même vendeur, sur AliExpress toujours. Et j'ai acheté des perruques pour faire moi-même. Et je crois que celui-là était à une trentaine d'euros, enfin une vingtaine, entre 20 et 30, et pareil pour l'autre. C'est pas fait. Donc, il y a ça devant. Je vais pas montrer du coup. Mais oui, donc. Ouais, c'est bien ça. Parce qu'au début, je me suis dit, ah, c'est cool, il a pensé aux chaussettes et au truc qu'elle a sur le haut de la cuisse. Non, c'est juste le haut. Et je me suis dit, bah, sinon, je le ferai moi, mais non. Donc, du coup, c'est un haut tout simple. Hein. Juste le fait qu'il est. C'est pas très bon, par contre. Mais il y a un truc ici, je sais pas si je montre très bien, mais voilà. Il y a le logo, bon, toujours les détails, qui n'est pas de la peinture mais un tissu par-dessus. Ça fait assez bizarre au visuel de près, mais je pense que de loin, même sur des photos, ça se doit pas se voir. Non, ça se voit pas. Donc voilà. Tout simplement, j'ai pas besoin de trop d'écrire. C'est pour ça que je me dis, je vais les faire tous les deux ensemble. Donc ensuite le short qui est super grand. Non, c'est vrai que élastique ma vie, mais c'est vrai que elle le met super haut, donc je pense que c'est normal qu'il soit si grand. Mais il lui arrive pas non plus genre au mollet quoi, enfin, non, au genou je voulais dire. Et pareil, tout simple, même logo ici, logo. Le logo, enfin là, et la couleur a l'air bonne, et c'est tout simple quoi. Enfin, tu peux le trouver normal. C'est vrai que je me suis fait chier à acheter, mais alors que j'aurais pu juste faire les logos par-dessus. Vous ne savez pas ma patience, enfin, ça dépend pourquoi quoi. Ensuite, c'est la veste, ça va aller très vite en fait. Hein. Elle a l'air super grande. Je prends du XL parce que c'est quand même AliExpress et ce n'est pas européen. Et donc, qui dit européen, qui dit pas les mêmes morphologies et qui dit pas les mêmes morphologies, dit que je peux potentiellement ne pas me retrouver avec une bonne taille. Donc, la veste, bah pareil, elle est bordeaux. Enfin, dans mes souvenirs, elle est un peu plus rouge, mais non, en fait. Voilà. C'est une veste simple aussi. Et là, il y a un autre logo, c'est pas le même. C'est. Je sais pas. Je sais pas, mais genre, je veux dire, c'est pas la même chose, quoi. Oui. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre logo. Il y a des poches. Des vraies poches. Et des fausses poches. Mon désespoir. De toute façon, je pourrais pas la prendre en convention, enfin. Mais le cosplay, bien. Enfin, après, j'ai rien à dire, enfin. Juste que je trouve bizarre les trucs là, c'est comme une jupe, enfin je sais pas comment dire, mais ouais. Mais non, en vrai il est bien la tirette, elle n'est pas difficile, non j'aime pas trop. Donc de toute façon, ah oui, il ne ferme pas sa veste, donc c'est pas si grave si la tirette n'était pas trop bien. Passons au cosplay de Toko. Bon, au début, je sais pas comment je jouais. Mais je l'ai vu, je me suis dit, mais son uniforme est violet. Il est violet mélangé à du marron. J'ai été voir des cosplays des autres gens, pour me sentir seule. Et effectivement, tout le monde le vend
et là en bleu ou en noir. Je sais pas ce que j'aurais préféré, mais ok. Elle a un truc d'écolière, une jupe très longue. Enfin, là j'ai la jupe. Là j'ai la jupe. Et elle est super longue. Ouais. Elle fait ma taille assise. Elle est même plus longue que moi assise. C'est vraiment très humiliant. Très très humiliant, genre. Il y a un fil. Il y a un petit fil. Yeah. Et est-ce qu'il y a une tirette? Oui. Et est-ce qu'elle est élastique? Non. J'aime bien qu'il y ait quand même un minimum d'élastique. Et bien. Je crois qu'elle a des détails là. J'ai pas la photo là. Et j'ai pas spécialement l'envie de chercher. Mais oui, il n'y a pas de poche. Donc, bien normalement, on pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Des poches sur une jupe. Enfin, ça dépend quelle jupe. Mais une jupe d'écolière en général, ça n'a pas de. Bref. Ah, il y a le petit size XL. Si vous voulez voir le size XL, c'est size XL. Parce que ça ne se voit presque pas. Mais voilà, c'est vraiment tout petit. Est-ce que l'autre il était sur. Enfin, je verrai après. Mais. Est-ce qu'il s'enlève ce truc là? Enfin, bref. C'est un haut marin. On dit ça comme ça, je crois. Oui. Tout à fait normal. Mais. Oh, ça se détache! C'est pas très important, je pense. Mais ça se détache. Ici, on peut enlever le. Ah non, mais je veux pas que tu t'enlèves. Bon, ça va. Le principe est que ce n'est pas une cravate et je préfère parce que c'est vraiment très chiant de faire une cravate. Donc, par contre, là, ça fait un peu bizarre qu'on voit les coutures derrière, comme ça, là. Je sais pas, j'aime pas trop. Enfin, ça se voit pas donc. Soit après, je peux dire ce que je veux, je suis mis en partenariat. Même si je l'étais, je m'en foutrais de ce que je veux dire. Sachant que j'ai des mauvaises impressions à dire après. Enfin, je vais l'enlever du coup parce que ça m'énerve, ça reste pas. Enfin, bref. Du coup, le t-shirt, enfin le pull, il m'a l'air très petit et il y a une tirette, c'est pour ça. L'utilité. Je ne la sais pas, je ne la trouve pas. Le truc là, enfin, je sais même pas comment ça s'appelle. On va dire le col. Il est très bien. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Oui, ça m'a traumatisé le fil qui dépasse. Et là, bizarrement, bah, il a fait de la peinture, on dirait. Enfin, c'est pas un autre tissu comme sur le cosplay de il ou elle. Je ne sais toujours pas le sexe du vendeur. Je ne saurai jamais d'ailleurs. Mais je ne vais pas savoir même. Ici, je vais essayer de montrer, mais un dessin, une illustration, on va dire. Et dire que là, il en a refait un, et c'est un autre tissu. Enfin, je dis il, on va dire iel. Enfin, voilà. Et c'est tout. C'est tout, il n'y a pas d'autres détails. Il n'y en a qu'un sur la manche. Enfin, voilà, il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de massé, c'est bizarre, il y a d'autres trucs qui n'ont pas la bonne couleur. Mais à part le fait que je ne penserais pas que ce serait bleu. Sinon, ma note sur le colis, je ne vais pas être très tendre. Les cosplays sont très bien. Ça valait le coup d'attendre. Oui, vous avez bien entendu, j'ai attendu plus que prévu. Alors, on est le 21 janvier, j'étais pas sûre. Mardi 21 janvier, parce que pour ceux qui regardent dans le futur, genre, je sais pas moi, en mars. Donc je l'ai commandé la veille du réveillon de Noël. Pour vous dire, c'était. Oui, voilà. Les deux. La perruque est arrivée il y a 2 semaines, donc, je crois. De la semaine du 6 au 10, je compte de lundi à vendredi parce que on ne reçoit jamais de colis le week-end. Ce qui était prévu de même pour les cosplays qui ne sont pas arrivés, qui n'étaient même pas partis de Chine. Enfin, du pays d'origine, je crois que c'était Chine.
Donc comment vous dire que j'ai pété un câble parce qu'il était coincé à la voie aérienne, qu'il ne voulait pas l'embarquer, enfin je sais pas, c'était demandé, j'étais en mode oui mais en fait ça prend pas une semaine pour que tu demandes à la voie aérienne, la voie aérienne elle te dit juste oui ou non. Bref, ça m'a énervé et du coup bah, j'espère que ça ne réarrivera pas, sachant que j'ai vérifié que tous mes cosplays n'étaient pas de ce vendeur. Et si, bon après c'est pas le problème du vendeur, il a envoyé son colis, c'est la voie aérienne qui a saoulé, c'est pas de sa faute. Mais c'est le seul point négatif du cosplay en vrai. Bon à part le fait que genre vraiment, ah il y a un petit fil, enfin bref. À part le fait que j'aime pas le bas de la veste, bah oui, enfin, ça aurait été mieux en effet comme le short en élastique comme ça. Oui, et le fait qu'il n'y ait pas les chaussettes, mais des chaussettes j'en ai déjà. Et le petit truc là, c'est pas dramatique. Je pensais vraiment que c'était ça, mais après je me suis rappelé, ah oui, le t-shirt. Et puis il n'y avait pas marqué que c'était fourni avec. Du coup, nous, on se retrouve pour la suite de Fly, je ne sais pas où j'en serai, je ne sais pas quand la vidéo sera postée, je ne sais pas quand je ferai le montage, déjà j'ai envie de vous dire. Quoi d'autre, on se retrouve pour la suite de Fly bientôt, ou le commencement du... Je pense pas que j'aurais déjà commencé ça. Ou un nouveau mème, préparation, ça se peut, il sera déjà sorti le mème. Enfin bref, et sinon parlons prochain de Bug Thing, toujours dans le même pas, qui devrait arriver... Les deux ont été envoyés. Et puis je ferai pas de review parce que... Enfin je verrai si ça arrive à peu près en même temps. Je ferai une review. Enfin, je ferai comme peut-être ce que je vais faire. Et donc ce serait normalement bientôt début février. Normalement. Contenu. Et je m'en commande un nouveau. Ce vendredi. Samedi. Ça fait très prétentieuse et très meuf qui a beaucoup d'argent, mais croyez pas que les cosplays coûtent 100 balles. Loin de là. Du coup, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!